voici de cette 10e édition du Sunday Cycling. Donc, je fais partie du comité depuis le début de l'aventure. C'est toujours un réel plaisir de recevoir tous ces participants qui nous font des grands sourires, qui nous offrent beaucoup de choses. Et on a la chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent d'année en année. Grâce à cet événement, on peut mettre en avant des associations. Depuis 3 ans maintenant, c'est Étoile Filante qui réalise des rêves d'enfants qui sont défavorisés. Cette année, il y en a eu un coup de cœur avec Europa Donna. Et c'est toujours quoi dire de plus que venez l'année prochaine, venez nous rejoindre, vous aurez que du plaisir. Notre société, qui est une agence immobilière, est très proche des problèmes sociaux. On gère une grande fondation qui vient en aide aux personnes handicapées, aux personnes qui ont subi un traumatisme après une maladie ou qui ont une maladie grave génétique qui en fait entrave leur vie normale. Oui, bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter Étoile Filante, la fondation qui a été créée en 1993, qui réalise le rêve le plus cher d'enfants gravement malades ou handicapés. Donc depuis 17 ans, on a réalisé plus de 1000 rêves. On soutient aussi des projets dans des institutions, écoles spécialisées et hôpitaux. Et on a le grand plaisir d'être soutenu par le Sunday Cycling depuis 3 ans. Le bénéfice de la journée est en faveur d'Étoile Filante. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Compte tenu de la large offre de cours que les écoles Club Migros du Coton de Vaud proposent dans les 3 écoles de Lausanne, Vevey et Yverdon, l'école Club Migros se devait cette année, pour le 10e anniversaire du Sunday Cycling, d'être présent, étant donné que nous proposons également des cours de spinning dans nos cours. Bonjour, je m'appelle Mike. Depuis 10 ans, j'étais à l'origine de cet événement. J'ai quitté le comité il y a 4 ans pour me consacrer entièrement au ravitaillement de cet événement. Donc pendant cette journée, on offre la possibilité aux gens de se ravitailler au niveau isotonique. On écoule à peu près 8 à 900 litres sur cette journée, donc c'est ce qui est assez conséquent. Donc on propose toutes sortes de produits, gel, barres de récupération, boissons isotoniques. Europa Donna, l'association européenne pour les patients atteints de cancer du sang. C'est une association sans but lucratif qui travaille pour les droits des patients atteints de cancer du sang. Le cancer du sang touche plus de 5000 femmes en Suisse, où plus de 20% sont des femmes de moins de 40 ans. Le cancer du sang n'a pas d'âge, ni race, ni nationalité. On est tous concernés, soyons attentifs. Véronique Christener, je représente les produits Phyton. Je vais vous démontrer qu'avec les colliers Phyton, on acquiert un meilleur équilibre. Je vous laisse monter les bras, vous mettre l'équilibre sur une jambe. Voilà. Logique. Maintenant, on va mettre le collier. Et on refait une fois. Comme ça. Voilà. Et je vous appuie sur le... Et le test démontre qu'il a un meilleur équilibre. Vous êtes d'accord avec moi? Manifestement, oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Voilà, je suis Thomas du stand Schwinn. Je travaille pour la société Move to Live. On est le fournisseur pour les vélos pendant des années. On est très très fiers de faire ça, d'être sponsor ici. Moi je vends des habits maintenant aujourd'hui. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés, des vélos, des habits. C'est vraiment important pour nous parce que cet événement c'est une possibilité extra pour se positionner, pour faire la publicité. Pour la marque Schwinn, c'est assez important. La société Complex, votre partenaire pour l'entraînement. Vraiment super heureux de participer à ce 10e anniversaire du Sunday Cycling. Bonjour, je m'appelle Stéphane Caverza, je suis à la tête de Physio Attitude, qui est un centre de sport et santé dans lequel on pratique de la physiothérapie, du fitness, des cours de spinning, mais également du pilates et de la gym du dos. On est impliqué dans le Sunday Cycling pour tenir un stand et également en tant que présenteur sur le podium pour donner un cours, pour donner de l'énergie à ces enfants de la fondation de l'Étoile Filante. Sous les
veux dire de plus, je vous avais dit l'année dernière, quand on s'est quitté, qu'on allait vivre une addition qui allait dépasser toutes les limites. Je crois qu'elles sont atteintes. Je suis certaine qu'elles sont atteintes. Je sais que tout le monde a déjà été remercié, c'est fabuleux. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que l'année prochaine, ça sera une superbe édition. Peut-être pas aussi détonnante, mais certainement surprenante. Voilà, je vous dis à l'année prochaine, on se réjouit. Merci beaucoup. Only for the girls. Now, next it's for you. Okay?